profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. J'ai trouvé ton collier. Viens le récupérer, mais n'enfreins pas les règles. Salut. Je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir rester pour discuter. Nous avons dû déménager assez brusquement. J'espère que ce message vocal te conviendra. Je n'ai pas eu le temps d'attendre. Tu te souviens du collier que tu avais perdu quand tu gardais Timmy chez moi ? Eh bien, nous l'avons trouvé pendant que nous faisions nos valises. Tu vois, j'aurais pu jurer que je l'avais apporté avec moi en venant, mais j'ai dû le laisser dans la chambre. Il semblait avoir une valeur sentimentale pour toi, alors j'ai pensé que je devais te laisser quelques instructions au cas où tu déciderais de le récupérer. Règle 1, laisse la porte d'entrée ouverte. Ne la laisse pas fermée. Mets quelque chose dans l'embrasure de la porte s'il le faut. Règle 2, parfois, du coin de l'œil, les murs semblent saigner. N'y prête absolument pas attention et continue à regarder devant toi. Ne regarde que vers l'avant, s'il te plaît. Règle 3. Le plafond peut te tromper en te faisant croire qu'il saigne également. Tu pourrais même penser qu'il a coulé sur toi. Ce n'est pas le cas. Ignore-le, ne regarde pas en l'air. Règle 4. Le couloir peut sembler s'allonger au fur et à mesure que tu avances, et pour être tout à fait honnête, c'est probablement le cas. Règle 5. Lorsque tu passeras devant l'ancienne chambre de Timmy, tu entendras probablement des enfants rire, jouer et t'inviter à entrer pour jouer. N'ouvre pas la porte. Il n'y a pas d'enfants dans la pièce et tu ne peux pas voir ce qui essaie de t'attirer dans la pièce. Règle 6. Si pour une raison quelconque, tu entends brusquement quelqu'un t'appeler par ton nom, ignore tous les besoins et réflexes qui te poussent à te tourner vers la voix. Même si elle te demande de l'aide, ne te retourne pas. Si tu le fais, tu ne quitteras jamais la maison. Règle 7. Pour une raison quelconque, les photos dans le couloir semblent fondre. Elles empirent au fur et à mesure que l'on s'approche du bout du couloir. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe. Alors, ne les touche pas. Règle 8. Cela fait longtemps que tu n'es pas venu dans cette maison. Alors tu ne l'as peut-être pas remarqué, mais il y a maintenant une pièce supplémentaire dans l'escalier. Nous ne savons pas d'où elle vient, et nous avions trop peur d'ouvrir la porte. Parfois, on peut entendre des conversations étouffées et des bruits étranges venant de l'autre côté de la porte. Parfois, des mots sont écrits sur l'extérieur de la porte. S'il n'y a rien d'écrit, tout va bien. S'il est écrit « Entre », n'entre pas. Tu ne dois en aucun cas ouvrir cette porte. La poignée devrait être soit brûlante, soit glacée, donc je ne pense pas que tu ouvrirais la porte par erreur. Règle 9. Si tu arrives jusqu'à ma chambre au bout du couloir, frappe deux fois à la porte. Si la porte s'ouvre d'elle-même, entre dans la chambre. Si quelque chose frappe en retour, dis « Je suis désolé de vous avoir dérangé, vous et vos douleurs imminentes. » Et fais rapidement demi-tour. Marche dans le couloir et sors par la porte. Ne cours pas et ne regarde pas devant toi et, quoi que tu fasses, ne lève pas les yeux. Regarde le sol jusqu'à ce que tu aies franchi la porte. Ne regarde pas en l'air, je ne saurais le dire assez. Règle 10. Une fois que tu es dans la pièce, ton collier devrait être sur le rebord de la fenêtre. Si c'est là que tu le vois, prends-le et quitte la maison. Si tu vois ton collier autour du cou d'une statue, sors de la maison aussi vite que possible. Saute par la fenêtre s'il le faut, en supposant qu'elle te laisse le faire. Si tu ne peux pas briser la fenêtre, cours aussi vite que possible jusqu'à ce que tu atteignes la porte d'entrée. Si la porte d'entrée est encore ouverte, tu es en sécurité. Tu verras peut-être quelqu'un te faire un signe de la main depuis une fenêtre. Si la porte est fermée, tu peux te fier à ton système de croyance. Moi, je ne peux plus rien te promettre à ce niveau-là. Bonne chance ! Grand-père pense qu'il peut combattre la mort.
Il tousse dans un chiffon, rouge vif du sang. Il refuse le traitement. Au lieu de cela, il attend à la porte que cet enfoiré se montre. La dernière semaine, il m'a demandé de m'asseoir avec lui de 21h à 3h du matin, tous les soirs. Grand-père n'a jamais été tout à fait là, mais j'ai mis cela sur le compte des divagations d'une époque et d'un état d'esprit révolu. Je l'ai fait pour exaucer le souhait d'un homme mourant. « Papy, personne ne va venir, tu n'as pas besoin d'attendre, et je vais bientôt devoir retourner au travail. Qui t'accompagnera alors ?» Ses yeux se sont mis en place, se connectant aux miens. Les iris verts marbrés projetaient un regard qui laissait supposer une machinerie très pointue derrière eux. Je me sentais très mal. Mais n'était-il pas préférable qu'il passe ses derniers jours entouré de sa famille et de ses amis plutôt que de... cela ?« Mon grand, dans la vie, tu as le choix. Soit les choses t'arrivent, soit tu arrives aux choses. Tu peux te coucher et mourir, comme on te le dit. Ou tu peux te battre contre cet enfoiré quand il viendra te chercher. Je sais ce que je veux. Attends, et sois prêt à appuyer sur le bouton quand je te le dirai. » Nous avons attendu. Minuit. Silence. Son regard toujours aussi violent, fermement pointé sur la porte. Minuit 13. L'air chaud de mai se refroidit et tombe lourdement. Je regarde les yeux de mon grand-père. Il s'arc-boute. Tout est immobile. L'obscurité de la nuit s'accentue. La zone est dépourvue de son, de lumière, de toute vie, sauf la nôtre. Les animaux restent immobiles, répondant à leurs instincts les plus profonds. C'est alors que la lourde porte en vieux métal s'ouvre en glissant. Le noir absolu s'infiltre, enveloppant lentement tout ce qu'il touche. « Maintenant !» Je suis tellement fasciné par le spectacle que je ne l'entends presque pas. J'appuie sur le bouton. Les projecteurs s'allument, tirant au cœur de l'obscurité, la faisant reculer pour révéler un homme. Il est banal, mais familier. Ses vêtements noirs étant le seul indice que les choses ne sont pas ce qu'elles devraient être. « Cette hostilité n'est pas nécessaire, Philippe. Je fais mon travail. » dit l'homme. Il parlait doucement comme un nuage de mots. « C'est bien ce que tu fais, oui. Mais toi et moi savons que ce n'est pas le moment. »« Ce n'est pas à moi d'en décider. » »« Foutaise ! C'est des conneries tout ça. Nous nous souvenons tous les deux de la guerre. » Des accords ont été conclus. Y a-t-il un marché que tu souhaites conclure? Ma vie contre celle du garçon. Une vague d'énergie électrique m'a traversé, mettant mes nerfs en ébullition. Je me sentais confus, en colère, triste, nerveux. Pourquoi faisait-il tout cela? Très bien, Philippe. L'homme m'a regardé et mon esprit s'est éteint comme un interrupteur. Le lendemain, je me suis réveillé dans un lit d'hôpital. On m'a dit que les poumons de mon grand-père avaient fini par lâcher et que le choc m'avait fait m'évanouir. Alors qu'ils m'examinaient pour s'assurer que j'allais bien, ils ont trouvé un caillot de sang qui se déplaçait vers mes poumons. Ils l'ont attrapé juste à temps. Papy a laissé une lettre qui m'était destinée. Il n'y avait qu'un seul mot écrit dessus. Combat. Le procès de John Fargo. Les événements relatés ici se sont déroulés le 12 juillet 1998 dans un tribunal de la ville de San Diego, en Californie. Par respect pour la vie privée des intervenants, tous leurs patronymes ont été remplacés par de faux noms. John Fargo était alors accusé de multiples meurtres. En effet, entre 1987 et 1997, il se serait rendu coupable de la mort de 13 personnes, dont 3 enfants. Lorsqu'il a été arrêté, il se trouvait dans une maison voisine à celle où s'était récemment produit le meurtre de toute une famille, maison à laquelle il avait déjà commencé à mettre le feu. Pour cette audience, une grande partie de la police de San Diego avait été mobilisée afin de sécuriser l'endroit, car énormément de personnes, parmi les familles des victimes, auraient pu tenter d'attenter à la vie de l'accusé avant l'heure.
Ce jour-là, tous les yeux étaient rivés sur ce tribunal. Sans attendre, voici une retranscription de ce qu'il s'est dit lors de ce fameux procès. « Monsieur Fargo, vous êtes accusé d'avoir commis au total 13 meurtres entre le 18 février 1987 et le 22 avril 1997. Vous êtes également accusé d'être à l'origine de 9 incendies à caractère criminel. Qu'avez-vous à répondre à ces accusations ?»« Maître, je plaide coupable pour les incendies. C'est en effet moi qui ai incendié ces maisons. » Par contre, je nie totalement les accusations de meurtre. Ce n'est pas moi qui les ai commis. Vous confessez donc avoir incendié ces maisons. Mais, comme vous le savez, ces maisons étaient toutes voisines de celles où les meurtres ont eu lieu. Cela ne peut pas être une coïncidence. Et si ça l'était, c'est tout à fait possible, et sauf erreur de ma part, vous n'avez aucune preuve me reliant au meurtre. Maître, je pense que vous avez mieux à faire que d'être ici à m'accabler de faits que je n'ai pas perpétrés. Monsieur Fargo, je suis ici pour faire mon travail. J'ai d'ailleurs des documents qui attestent d'un évident lien entre les crimes et vous. Le 18 février 1987, un couple est tué dans sa maison de Los Angeles. Or, la maison voisine avait pris feu quelques minutes avant les faits. Sur place, nous avons retrouvé vos empreintes sur la boîte aux lettres. Est-ce là une coïncidence, Monsieur Fargo ? Eh bien, je... Le 24 juin 1989, toute une famille est retrouvée démembrée dans leur maison de Sacramento. Quelques minutes avant, la maison de leur voisin avait été incendiée. Une nouvelle fois, vos empreintes ont été retrouvées sur place. Encore une coïncidence ? Mais... Le 1er novembre 1990, à San Francisco, une femme est trouvée morte à son domicile. Elle avait été éventrée. Devinez quelle maison a été incendiée quelques minutes plus tôt et quelles empreintes ont été relevées, cette fois encore. Voulez-vous que je continue la liste des coïncidences, Monsieur Fargo ? Très bien, mais cela ne constitue toujours pas la preuve formelle que je suis à l'origine de tous ces meurtres. Comme je l'ai déjà dit, je suis sûr que vous avez mieux à faire que d'être ici, à m'accuser sans preuve plus tangible. Vous pourriez être avec votre famille, par exemple. Ne vous moquez pas de nous, Monsieur Fargo. Ces coïncidences suffisent amplement à vous lier au meurtre. Je vous conseille de coopérer. Si vous nous dites la vérité sur vos meurtres, peut-être que vous ne serez pas condamné à mort et écoperez simplement de la réclusion à perpétuité. La balle est dans votre camp, Monsieur Fargo. Très bien, je me rends. Je vais tout vous expliquer. Car quoi que je fasse, je sais que je ne serai plus jamais un homme libre. Vous avez raison, ce ne sont pas des coïncidences. Mais je continue à le clamer, je n'ai tué personne. Vous êtes complice, donc ? Je ne peux le nier. Vous savez, en Californie, il y a énormément de patrouilles de police, et beaucoup de maisons sont équipées d'alarmes, rendant les cambriolages difficiles. C'est un fait. Dans le rapport, il est indiqué que les alarmes des maisons où ont eu lieu les meurtres ont toutes été déclenchées les jours des crimes. Et tous les policiers se sont rendus sur place. Leur attention ne s'est portée que sur la maison en feu, bien évidemment. Vous étiez donc un leurre ? Vous faisiez en sorte de diriger les forces de l'ordre vers la maison en feu et non vers celle où se déroulait le meurtre ? Mais pour quelle raison ? Pourquoi diable voudriez-vous aider quelqu'un à tuer toutes ces personnes ? Par amour. Vous savez, quand on aime quelqu'un, on le prend entier avec tous ses défauts. J'étais et je serai toujours prêt à tout pour elle. Elle était adorable, mais elle avait quelques petites pulsions qu'elle ne pouvait pas cacher. Je l'ai donc aidée à les satisfaire quand je sentais qu'elle était sur le point d'exploser. Vous avez donc allumé ces feux pour distraire les forces de l'ordre pendant que votre petite amie massacrait de pauvres innocents dans la maison d'à côté. Vous êtes complètement fou. Fou d'amour, oui. De plus, vous irez... au mieux, en prison pour le reste de vos jours, alors que votre petite amie se promène toujours librement, dehors. Savez-vous où elle pourrait se trouver ? J'ai ma petite idée, oui. Eh bien ? Disons que mon ultime acte d'amour s'achève maintenant. Vous savez que la plus grande partie de la police de San Diego se trouve ici aujourd'hui, n'est-ce pas ? Et alors ? Je vous l'avais dit, maître. Vous avez mieux à faire que d'être ici aujourd'hui. Je vous l'ai répété.
L'avocat était alors devenu livide et s'était précipité hors de la salle pour téléphoner à sa famille. Peine perdue, car on sut plus tard qu'elle avait été tuée pendant le procès. John Fargo a été condamné à perpétuité pour sa complicité lors des meurtres commis par sa petite amie qui n'a jamais été retrouvée. Il a finalement été assassiné en prison par le frère d'une des victimes quelques années plus tard. Ma sœur a épousé un officier de police. Ma sœur et moi avons toujours été proches. J'étais très fier de pouvoir lui parler de n'importe quoi. Alors quand elle s'est mariée à la sortie de l'université, j'ai dû lui demander franchement « Tu ne trouves pas que ça va un petit peu trop vite ?» Après tout, le gars avait 9 ans de plus qu'elle. « Tu ne comprends pas. Il est parfait à mes yeux. Et j'aimerais bien que tu arrêtes de m'embêter avec lui. Tu ne seras pas toujours là pour me protéger, et je te rappelle qu'il est officier de police. » m'a-t-elle répondu. Je ne pouvais pas lui en vouloir. Il était grand et beau, il dégageait du charme, et il avait l'air d'être un type bien sous tout rapport. Il était policier depuis plusieurs années, et gagnait bien sa vie en faisant beaucoup d'heures supplémentaires. S'il était assez bien pour ma sœur, je devais lui faire confiance. J'ai arrêté de trop me prendre la tête avec cette histoire, et j'y ai moins pensé par la suite. Mais cela n'a duré que jusqu'à notre réunion de famille annuelle au lac d'Annecy au mois de juillet, quand nous partons une semaine dans le département pour nager et pêcher. Sur la plage du lac, elle portait une chemise à manches longues et un pantalon de survêtement. Il devait faire au moins 35 degrés, mais elle n'avait soi-disant pas envie d'entrer dans l'eau. Pourtant, ma sœur adorait nager. Elle adorait ça et était un vrai poisson dans l'eau depuis sa plus tendre enfance. Je savais qu'elle cachait quelque chose. Lorsque la famille s'est réunie pour Noël, elle avait un œil au beurre noir. « Ça, c'est rien. J'ai eu un accident stupide. » a-t-elle dit. Elle a expliqué qu'elle avait posé quelque chose de lourd sur une étagère en hauteur et qu'elle avait tout simplement glissé. Elle expliquait que c'était juste une maladresse. Je connaissais ma sœur. Elle n'était pas maladroite. Je savais que je devais intervenir quand elle s'est soi-disant cassé le bras quelque temps après. Je suis allé chez elle en voiture. « Je n'ai plus d'essence, lui ai-je dit. Conduis-moi à la station-service du coin. » J'avais volontairement vidé mon réservoir d'essence. Quand nous nous sommes arrêtés dans son allée, je lui ai carrément dit « Tu dois le quitter. »« Je peux pas. » »« S'il continue comme ça, il va te tuer. » »« Si je pars, il me tuera aussi. Je t'en prie, va-t'en, c'est mieux comme ça. Arrête de t'inquiéter pour moi. » Elle est sortie de la voiture. Pendant qu'elle ne regardait pas, je l'ai pris depuis la boîte à gants. La chose avec laquelle je sauverai ma sœur. La télécommande pour ouvrir automatiquement sa porte de garage. Vous voyez, le garage était le sanctuaire de son mari. C'est là qu'il buvait ses bières et regardait ses matchs de foot à la télé, là où se trouvaient tous ses outils, et là où il prenait soin de ses armes à feu, et il en avait beaucoup. J'ai attendu un après-midi où il nettoyait et huilait ses armes. Je me suis caché dans ma voiture juste devant leur maison, et je me suis mis à paniquer. J'ai appelé la police, et j'étais affolé. « À l'aide !» j'ai crié. « Mon voisin est devenu fou !» Il a tiré sur sa femme et il va tuer tous les gens qui se présenteront devant chez lui. Je leur ai donné l'adresse et j'ai raccroché. Ensuite, j'ai cassé le téléphone jetable que j'avais acheté dans la journée. Lorsque la voiture de police est arrivée et que les deux agents ont commencé à marcher vers la porte d'entrée, j'ai appuyé sur le bouton qui servait d'ouvrir automatiquement la porte du garage où se trouvait alors le mari de ma sœur. Son mari, surpris, s'est accroché à un pistolet. La porte s'est soulevée. Lorsque les agents l'ont vu avec une arme à la main, leur adrénaline est montée en flèche. Leur formation s'est mise en marche, ils ont dégainé et complètement vidé leur chargeur. Le temps qu'ils réalisent qu'ils avaient tué et qu'ils appellent les secours,
Il était trop tard. Je suis parti tranquillement en voiture. Ma sœur est en sécurité maintenant. La disparition des riches et des puissants. Le jour où tout a changé, c'était comme si le monde entier avait été frappé par une tornade silencieuse. Tout était normal, jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Une heure, nous étions tous plongés dans notre routine quotidienne, et l'heure suivante, quelque chose de terriblement anormal était survenu. Mais cela a pris du temps avant que quiconque ne réalise l'ampleur de l'événement. Ce ne fut qu'après quelques jours que la stupeur s'est transformée en terreur. Les riches, les puissants, les célèbres, ils avaient tous disparu, comme s'ils n'avaient jamais existé. Pas seulement les politiciens, les manias des affaires et les stars d'Hollywood, mais aussi des parties entières de l'armée, des cadres d'entreprise, des scientifiques influents. Tout s'est dissipé sans un bruit, sans un signe avant-coureur. Ils n'étaient tout simplement plus là. Le monde tel que nous le connaissions avait été vidé d'une partie de son essence. Au début, personne n'a su comment réagir. Il y avait une sorte d'incrédulité collective. Comment expliquer une chose aussi insensée? Les théories du complot n'ont pas tardé à se répandre comme une traînée de poudre, alimentée par la confusion générale. Des voix autrefois marginalisées se sont mises à dominer les débats publics, criant que l'élite connaissait un secret que nous ignorions. Les talk-shows et les chaînes d'information locales étaient saturées de discussions hystériques. Certains disaient que c'était un coup monté, que les élites avaient prévu quelque chose, qu'ils savaient que la fin du monde était proche et qu'ils avaient fui pour se sauver. D'autres croyaient à une intervention divine ou surnaturelle. Le chaos mental était palpable, mais nous n'avions pas le luxe de nous y attarder trop longtemps. La machine qu'est l'humanité devait continuer à tourner. Sans eux, il a fallu réorganiser tout ce que nous pensions immuable. Les infrastructures autrefois solides vacillaient sans ces pièces maîtresses qui les faisaient fonctionner. Les élections ont dû être accélérées et organisées dans une sorte de précipitation par des professeurs à la retraite, des fonctionnaires oubliés et des personnalités locales qui n'avaient jamais aspiré à gouverner. Les forces armées, amputées de leurs plus hauts gradés, ont dû se réinventer, appelant des réservistes et improvisant des chaînes de commandement temporaires. Ce fut une période d'incertitude absolue. Et puis, alors que nous commencions à peine à nous remettre sur pied, une semaine après la disparition, une nouvelle onde de choc a secoué la planète. Une vidéo, envoyée simultanément sur tous les appareils connectés à Internet, est apparue sans avertissement. C'était une transmission enregistrée. On pouvait y voir les visages des dirigeants disparus, assis à une immense table ovale, le visage marqué par la gravité de la situation. Ils n'étaient pas partis en catimini. Ils nous expliquaient que ce qu'ils avaient fait, aussi terrible que cela puisse paraître, était la décision la plus difficile que l'humanité aurait jamais à prendre. Leur voix était lourde de regrets, mais résolue. Une menace venue d'ailleurs approchait. Une race extraterrestre, agressive et bien décidée à en découdre avec l'humanité. Nos gouvernements avaient eu vent de leur arrivée depuis quelque temps déjà et avaient décidé que la seule issue possible était d'assurer la survie de l'espèce. Ils avaient choisi de se sacrifier, ou plutôt de nous sacrifier, pour préserver ce qu'ils considéraient comme essentiel. Les plus brillants, les plus influents, ceux qui, selon eux, étaient dignes de reconstruire l'humanité après l'invasion. Les mots qu'ils prononçaient résonnaient de manière grotesque. Il y avait quelque chose d'obscène dans leur tentative de se présenter comme des héros tragiques. Ils disaient que notre sacrifice ne serait pas oublié, que l'humanité se souviendrait de nous comme des martyrs silencieux ayant permis à l'élite de survivre. Ils n'ont pas montré de remords, juste une conviction froide que c'était la meilleure chose à faire. Et sur ce, la vidéo s'est terminée. Ils nous avaient abandonnés. L'élite mondiale vient d'abandonner des milliards d'êtres humains.
Cette révélation avait de quoi faire sombrer le monde dans une folie encore plus grande que celle qu'il avait envahie depuis la disparition. Des manifestations ont éclaté dans toutes les grandes villes. Des factions ont commencé à se former, certaines prenant la vengeance, d'autres cherchant des explications plus pacifiques. Mais avant que la situation n'atteigne un point de non-retour, les envahisseurs sont arrivés. Nous avions à peine eu le temps de digérer ce que nous venions d'apprendre, et déjà nous nous préparions à la guerre. C'était une guerre que nous étions sûrs de perdre. Nous savions que nos armes et nos armées ne seraient pas de taille à une race extraterrestre capable d'effrayer nos dirigeants, au point qu'ils choisissent de fuir. Les sirènes ont hurlé, les bunkers ont été ouverts, et les populations ont commencé à être évacuées vers des zones plus sûres. Mais le combat n'a jamais eu lieu. Quand les extraterrestres ont finalement fait leur entrée, ce n'était pas avec la fureur de conquérants avides de destruction, mais avec une proposition inattendue, une seconde chance. Ils nous ont expliqué qu'ils nous observaient depuis des siècles. Ils avaient vu notre planète évoluer, nos civilisations croître, et avec le temps, ils avaient cessé d'apprécier ce qu'ils voyaient. Notre élite, disaient-ils, avait perdu toute humanité. Ils avaient fait une expérience, un test pour voir jusqu'où nos dirigeants étaient prêts à aller pour se sauver. Et comme prévu, ces derniers avaient échoué. Ce qui est arrivé ensuite était encore plus surprenant. Après que nos dirigeants ont fui, croyant échapper à la destruction, les extraterrestres les ont tous massacrés. Pas de pitié, pas de procès, juste une exécution sommaire. Pendant une semaine, ils nous ont laissés seuls, nous observant, probablement curieux de voir comment nous allions réagir. Et puis une semaine plus tard, ils sont revenus, non pas avec des armes, mais avec la proposition de reconstruire. Leur aide n'était pas matérielle, pas de technologie avancée ou de solution miracle, non. Ils voulaient simplement nous inspirer en nous montrant encore et encore des images brutales de la fin de notre élite. Le message était clair. Faites mieux ou vous suivrez le même chemin. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous reconstruire, pas à pas, en essayant de faire mieux. Nous ne savons pas si nous y parviendrons, mais une chose est certaine, nous n'avons plus d'autre choix. Une amie m'a joué un mauvais tour, ou du moins, c'est ce que je pensais. Mon amie Kim est adorable. C'est une femme grande et puissante, avec un cœur d'or. Les gens la trouvent effrontée, mais pas moi. Je vois toujours ses bonnes intentions. Je suis amie avec Kim depuis des années. Nous avons eu des enfants à peu près en même temps, et elle a récemment eu son troisième bébé. Dernièrement, elle et son mari ont déménagé pour accueillir leur famille grandissante, et je ne suis pas encore allée voir leur nouvelle maison. Je m'en veux de ne pas leur avoir rendu visite, ni même rencontré le bébé, une petite fille nommée Elisa. Ses deux aînés, Jake et Hayley, sont comme des frères et sœurs pour mes deux enfants, et ils manquent à toute la famille. Je pense souvent à Kim, mais la vie s'en mêle. Nous le faisons tous, nous ignorons des amis que nous ne devrions pas. Nous sommes tellement absorbés par ce que nous faisons. J'avais l'esprit occupé par le travail quand j'ai reçu le message. Je venais juste de passer la porte avec les courses que j'avais ramassées en rentrant chez moi. J'ai vu que c'était Kim, et j'ai souri. J'ai posé le téléphone, et j'ai continué à ranger mes courses, en me disant que je répondrais quand j'aurais fini. Un dîner en famille, une conversation avec mon mari et un verre de vin plus tard, je me suis retrouvée sur mon canapé en me rappelant que mon ami avait essayé de me contacter. J'ai ouvert le message et mon cœur s'est effondré. « Merci d'être venu me voir. C'était sympa de rattraper le temps perdu. » Elle était sarcastique, je le savais. Elle était furieuse que je ne l'ai pas contactée et le côté effronté de sa personnalité ressortait. Je lui ai répondu immédiatement par texto. Je me sentais très mal. « Kim, je suis vraiment désolée, j'ai été très occupée. Je te promets de venir te voir bientôt. J'ai hâte de rencontrer Elisa. » Je suis restée quelques heures à attendre une réponse. Je me suis dit que Kim était probablement en train de ruminer. Elle me faisait attendre. Les enfants étaient déjà couchés quand le téléphone a sonné à nouveau. Désolée, je donnais le bain au bébé et j'installais les enfants. Qu'est-ce que tu racontes ? Elisa t'aime ? Je suis désolée pour ton haut, je t'en dois un nouveau.
Je repense à son petit rire diabolique après avoir été malade sur sa tante Josie. J'étais maintenant très confuse. Ce n'était pas le style habituel de Kim. Et si elle pensait vraiment que j'étais passée? Est-ce qu'elle allait bien? Souffrait-elle d'une sorte de problème postnatal? Je voulais la soutenir, mais je ne savais pas trop comment. Alors j'ai envoyé un message à son mari, John. John travaille comme chauffeur de camion la nuit. Je savais qu'il ne serait pas à la maison avec elle quand je lui ai envoyé un message. Kim va bien? Je m'inquiète un peu pour elle. J'ai demandé cela en restant simple. Il a mis du temps à répondre, ce qui est normal quand on est au volant. Il était tard quand il a dû avoir la première occasion de s'arrêter. J'étais déjà couchée, mais ses mots m'ont tenue éveillée toute la nuit. « Salut Josie, c'était super de te voir l'autre jour. Tu nous as manqué à tous. Amène les enfants la prochaine fois. Les nôtres seraient ravis de les voir. Kim va bien, elle est juste un peu fatiguée avec le nouveau bébé. Merci d'avoir pris de ses nouvelles. Tu es une amie formidable. » Je n'ai pas répondu. Il était suffisamment tard pour que je puisse prétendre que j'étais endormie et que je n'avais rien vu sans paraître impolie. Je me suis allongée et j'ai réfléchi. Et si c'était moi qui avais un problème? Et si j'avais été là-bas et que j'avais oublié? Il fallait peut-être que je consulte un médecin. Mais plus j'y réfléchissais, moins la situation me paraissait rationnelle. J'étais au travail le matin où j'étais censée l'avoir vu, et je pouvais le prouver. J'avais reçu une contravention ce jour-là, car ma place habituelle n'était pas libre. Je m'étais garée à moitié sur une place de livraison près de mon immeuble et je m'étais fait prendre. L'amende précisait même la durée de mon stationnement. Je me suis arrêtée, je n'arrivais pas à croire que j'y pensais autant. John et Kim étaient en train de me faire une blague, c'était sûr. Je me suis couchée vers 5h du matin et j'ai réussi à dormir quelques heures avant que les enfants ne me réveillent. C'était le week-end, j'avais donc congé et j'ai pensé les emmener chez Kim. La matinée s'est écoulée et après avoir fait quelques courses, j'ai pris de l'assurance. Je voulais lui parler, mettre les choses au clair et revoir mon ami pour de bon cette fois-ci. Je sais à quel point un nouveau bébé peut être stressant, alors j'ai commencé par lui envoyer un texto pour lui demander si tout allait bien. Ce que j'ai reçu en retour m'a rendu malade. « S'il te plaît, arrête de me contacter. Mon amie Josie est assise en face de moi avec son nouveau téléphone, l'ancien ayant été volé. Ce que tu fais est effrayant et je t'ai dénoncé à la police. » Ce n'était plus une blague. J'ai commencé à m'énerver. J'ai donc répondu en conséquence. « C'est ridicule, je ne suis pas assise devant toi. Je suis désolée de ne pas t'avoir vue depuis un moment, j'essaie de changer ça, mais cette blague est un peu exagérée, tu ne crois pas, Kim ?» D'habitude, je ne me disputais pas avec elle. Elle avait une personnalité si forte que cela n'en valait pas la peine, mais elle allait un peu trop loin. J'espérais juste qu'elle verrait à quel point cela m'atteignait et qu'elle arrêterait. J'avais tort. Le message suivant était accompagné d'une image en pièce jointe. « Arrête, maintenant !» Espèce de psychopathe. J'ai eu la chair de poule en regardant l'image, mes enfants jouant bruyamment à mes pieds. C'était une photo de moi, assise à la table de la cuisine de Kim, mon jeune fils sur les genoux. J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait d'une vieille photo, mais je me trompais. Les vêtements n'étaient pas les miens, et le journal devant elle correspondait parfaitement à celui que j'avais acheté le matin même. Quelqu'un a laissé une note sur mon pare-brise disant « Tu es mort hier ». J'ai tout de suite pensé à une farce, mais c'était tellement spécifique, tellement bizarre. J'ai pris la note et je l'ai mis dans ma poche. Mais, contradictoirement, j'ai cherché des preuves de tout ce qui n'était pas à sa place. Le résultat? Pas grand-chose. Le matin, c'était toujours la même chose. Le gamin, livreur de journaux, je n'arrive pas à croire qu'il y en ait encore, livrait des liasses de mots imprimées de porte en porte. Quant à la circulation, même cadence, même zone lente. J'ai ressenti la même impatience que je ressens d'habitude. Le soleil brillait, comme il le faisait toujours sur ma peau. Je suis arrivé au travail. J'ai pris l'ascenseur et je me suis assis pour ma réunion de 9h30. Je suis resté bouche bée lorsque, au milieu de sa présentation, le cadre a déclaré « Bien sûr, tout cela n'a pas d'importance pour Pierre, après tout. Il est mort hier, hein ?» Puis après quelques rires étouffés, il s'est remis à parler de la baisse de nos ventes. La réunion s'est terminée, tout le monde s'est dit à plus tard, et c'est tout. J'ai ensuite répondu à des courriels dans mon bureau. J'ai effectué quelques tâches administratives également.
Ces taches semblaient être la continuité de celles d'hier. J'ai surpris une femme à l'allure distincte qui m'observait de loin sur le sol du bureau. Et puis, à la fin de la journée, j'ai pris l'ascenseur pour descendre. Cette même femme est montée au moment où les portes se fermaient. Elle m'a dit... Il y a un peu de décalage. Avant de regarder ailleurs, puis de descendre à un autre étage. À la maison, j'ai serré ma femme et mes enfants dans mes bras comme d'habitude. Je ne voulais pas paraître trop désespéré. À mon grand dam, quelque chose de minime avait changé là aussi. « Tu nous manqueras, papa !» a dit ma fille de l'autre côté de la table, entre deux bouchées de steak. Ma femme, qui s'est couchée plus tard, m'a tenu la main pendant que nous regardions la télévision. Elle a interrompu une conversation sur les rénovations de la maison en disant « Je suis optimiste quant au verdict sur ce qui va t'arriver. » Mon regard confus n'a pas été apaisé, car elle est revenue au sujet précédent juste après. Il est minuit. J'ai remarqué qu'il y avait de la lumière en bas. Je suis descendu. La femme de l'ascenseur, un stylo à la main, regardait des documents. « Vous voilà. » dit-elle lorsque je m'approche. « Désolée pour le retard. Nous avons presque terminé. » Son regard était teinté d'empathie, mais surtout de routine. « Ce n'était pas une mauvaise vie. C'est juste la fin qui a été malheureuse. » Cet accident de conduite imprudente, vous avez tué un enfant quand même. Je ne savais pas ce que cela signifiait. Nous aurons la réponse définitive demain matin. Vous devriez aller dormir pour le moment. C'est ce que j'ai fait, tombant étonnamment inconscient au premier coup de tête sur l'oreiller. Lorsque je me suis réveillé, il était 9h du matin. Mais il faisait encore nuit dehors. Une éclipse planait au-dessus de nos têtes, recouvrant tout d'une couverture sombre et rougeâtre. En bas, ma femme, ma fille et mon fils étaient assis à la table avec un large sourire. Leurs yeux évitaient les miens. Je suis sorti. Les voisins étaient agglutinés à leur fenêtre, souriant comme s'ils participaient à une blague que je ne comprenais pas. Les maisons se ressemblaient, mais il y avait quelque chose d'anormal. Dans l'obscurité matinale de la rue, j'ai trouvé une nouvelle note sur mon pare-brise. Enfer. Le narrateur est mort dans un accident de voiture qui a coûté la vie à un enfant. Il avoue être quelqu'un d'impatient et il fait allusion à un enfant délivrant des journaux en vélo. On peut donc supposer qu'il roulait trop vite pour se rendre à son travail et a provoqué un accident, lui coûtant sa propre vie ainsi que celle de l'enfant. La femme du narrateur parle à un moment donné d'un verdict, qui est finalement celui de l'enfer. Le narrateur passait donc son dernier jour sur Terre en tant que fantôme, attendant le résultat de son purgatoire. Peu importe si vous êtes pressé, peu importe si vous connaissez bien votre voisinage, ne conduisez pas comme un fou. Vous n'êtes qu'à 1 millimètre de l'enfer. Ma mère est morte et elle ne m'a laissé qu'un vieux manteau. Est-ce qu'elle a laissé un mot ? J'ai demandé ça en essuyant les larmes de mes yeux. Ma sœur Émilie m'avait appelé pour me dire que notre mère s'était suicidée. Une fois le choc passé, c'est la première question que j'ai posée. Elle s'est suicidée. A répondu Émilie en reniflant. « Mais tout ce qu'elle a dit, c'est « je suis désolée, je suis désolée, je suis vraiment désolée. » Nous avons passé le reste de la conversation à spéculer sur les raisons qui l'auraient poussée à faire une chose pareille, mais aucun de nous n'en avait la moindre idée. Le mieux que nous ayons trouvé, c'est que notre père, décédé d'un cancer 3 ans plus tôt, lui manquait. Avant que je ne raccroche le téléphone, Émilie m'a donné les détails du service commémoratif que notre mère avait apparemment organisé dans les semaines précédant sa mort. Tout cela s'est passé il y a 1 semaine. Je pensais que ce serait la fin de l'épreuve pour notre famille, mais ce n'était pas le cas. Le lendemain de la cérémonie commémorative, Émilie et moi avons reçu un appel d'un avocat
nous informant que notre mère avait laissé des instructions spécifiques dans son testament. C'est pourquoi nous étions tous les deux assis en face de l'avocat dans son bureau. L'ambiance était un peu tendue, mais il a réussi à nous mettre à l'aise. Lorsqu'il a lu le testament, nous n'avons pas été surpris d'apprendre que notre mère avait tout divisé en parts égales entre ma sœur et moi. « Alors, c'est tout ?» j'ai demandé à l'avocat. « Vous nous avez fait venir jusqu'ici pour nous dire que nous aurions chacun la moitié ?»« Pas exactement. Votre mère a fait une demande supplémentaire, et je dois bien sûr l'honorer. »« Quelle demande ?»« Je crains de devoir vous demander de quitter le bureau, Émilie. »« Pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas rester ?»« Votre mère a donné des instructions précises pour que l'objet que je vais vous remettre soit seulement visible par son fils. » Votre mère a bien précisé que sa fille ne doit pas apercevoir cet objet. Vous devez comprendre que je ne fais qu'honorer la requête de votre défunte mère et que vous devez vous plier aux exigences du testament. C'est bon, t'inquiète. Une fois ma sœur partie, l'avocat s'est levé et a récupéré dans son armoire un vieux manteau qu'il a porté jusqu'à moi. Votre mère voulait que vous ayez ça, me dit-il en me tendant le manteau. Un manteau ? Je me suis levé et je l'ai pris. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial dans ce manteau ? Enfilez-le. Je comprends pas, c'est qu'un manteau. Votre mère m'a dit de ne pas vous laisser partir avant que vous l'ayez enfilé. C'est stupide ! Ai-je dit en enfilant le manteau. Bon, vous êtes content maintenant ? J'ai enfoncé mes mains dans les poches du manteau. Ce faisant, ma main droite a frôlé un morceau de papier plié. Je l'ai sorti, je l'ai déplié, et j'ai lu le message écrit à l'intérieur, après avoir un peu hésité et jeté un coup d'œil à l'avocat. Voici ce que le message disait. Ce manteau appartenait à ta vraie mère. Je l'ai volé quand je t'ai kidnappé. Mon monde a soudain basculé, et j'ai compris que c'était à cause de moi que ma mère s'était suicidée. Quelques semaines avant qu'elle ne se suicide, je lui avais dit que j'avais fait un test ADN parce que j'étais curieux de connaître notre héritage. Un jour comme les autres, au bureau. Je verse de la crème à la vanille dans mon mug alors que la machine finit de recracher mon café. C'était ma troisième tasse de café aujourd'hui. Ou était-ce la quatrième? Je devrais vraiment éviter le café depuis qu'il a commencé à me donner des palpitations. Mais j'ai besoin de toute l'énergie possible aujourd'hui. Les échéances. Il y a tellement d'échéances. La semaine dernière, le superviseur de mon service nous a dit que la haute direction lui mettait la pression pour que nous augmentions notre productivité. Sinon, ils allaient devoir commencer à licencier des gens. J'occupe un poste de débutant et je ne suis là que depuis 6 mois. Je serai sûrement l'un des premiers à être licencié. C'est en tout cas ce qui s'est passé dans mes 3 derniers emplois. Dans cette économie, il est difficile de garder un emploi pendant plus d'un an si tu n'es pas en haut de la chaîne alimentaire. La cupidité des entreprises n'a jamais été aussi grande. Malheureusement, toutes les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé au cours des 5 dernières années ont fini par éliminer les postes les plus bas et par charger leurs employés les plus anciens de la charge de travail supplémentaire. Ils ne s'en plaignent pas pour autant. Ils sont tout aussi désespérés que moi de conserver leur emploi. Ils savent qu'ils sont remplaçables. N'importe lequel d'entre nous, les moins bien payés, est prêt à les remplacer s'ils partent. N'importe quoi pour un emploi mieux payé, n'est-ce pas ? Le salaire minimum national est bloqué à 7 euros de l'heure depuis maintenant 36 ans, malgré l'inflation qui ne cesse d'augmenter. La grande majorité d'entre nous gagnent exactement cela. Les entreprises n'ont aucun intérêt à offrir quoi que ce soit de plus, compte tenu du désespoir généralisé. J'ouvre ma boîte de poulet et j'y presse un paquet de maillots avant de l'écraser avec ma fourchette. Je préfère le thon en boîte, mais les temps sont durs récemment, et le thon en boîte est devenu un véritable luxe. J'entends ma collègue avoir des relents depuis le bureau d'à côté. Elle m'a dit plusieurs fois à quel point elle détestait l'odeur du poulet. Je me sens mal, mais c'est tout ce que je peux me permettre. Avant, je pouvais le manger à l'extérieur pour l'épargner.
mais le gouvernement a cessé de faire respecter les pauses obligatoires. Alors le patron a cessé de nous laisser les prendre. Je m'en accommode. Quel autre choix ai-je? Je dois gagner ma vie comme tout le monde. J'ai une famille pour laquelle je dois vivre, et mes enfants luttent autant que moi. Quand, ou bien je devrais dire si, j'ai un peu d'argent en trop, même quelques euros, je les place sur un compte d'épargne pour eux. Ils ne toucheront jamais de retraite. Le gouvernement a réaffecté ces fonds il y a 13 ans à ce qu'ils appellent des éléments avec plus de priorité. Personne ne sait ce que cela signifie. À mon avis, ces fonds sont empochés. Je jette ma boîte de conserve de poulet dans la poubelle. Mon estomac gargouille encore, mais c'est tout ce que j'ai à manger aujourd'hui. J'ai gardé une boîte supplémentaire pour demain, car c'est une occasion spéciale. Demain, c'est mon anniversaire. Je vais fêter mes 90 ans. Cette histoire est la preuve qu'une sad pasta peut démoraliser n'importe qui, même en 3 minutes. Aujourd'hui, c'est juste une histoire. Mais dans 10 ans, 20 ans, va-t-elle devenir une réalité ?